Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de Un jour, un pari. Alors ce lundi 6 juin 2022, direction l'hippodrome de Reims en réunion 3 avec les trotteurs bien entendu. La huitième course du programme, le prix du champagne Franck Perrin. Vous allez voir les conditions, hein, c'est pour 7 à 10 ans, on n'a pas gagné 199 000 euros. C'est le grand prix de la journée, un recul de 25 mètres à 99 000 euros. Et 10 partants, seulement 2550 mètres à parcourir, avec donc un recul de 25 mètres à partir du numéro 6. Et dans cette course, j'ai retenu une jument qui est bien engagée, c'est le numéro 7, Last Winner. Alors, Last Winner, c'est l'entraînement et la drive de Nico Daens. Je l'aime beaucoup, cette Last Winner. Elle a souvent été malheureuse, comme vous allez le voir. Elle est très vite à la pointe du coin, a joué de malchance dans le tournant final avant d'assez bien se relancer. C'est une concurrente qui n'a pas toujours eu des parcours très très favorables, que ce soit à Vincennes ou encore même ici à Mocanchi. À chaque fois, elle vient bien finir. Elle a toujours des numéros derrière l'autostart assez exécrables. Là aussi, elle avait un mauvais numéro, il me semble peut-être le 10. Enfin, son entraîneur était vraiment fou parce qu'à chaque fois, elle a des belles courses à disposition avec quand même des lots intéressants, hein. Il y a quand même du boulot, hein. Geisha Speed qui s'imposait. Maintenant, elle a toujours un numéro derrière l'autostart qui est défavorable. Alors voilà, elle retrouve une corde à droite. Elle aime beaucoup regarder cette victoire du côté d'Amiens. Déjà, corde à droite, elle va apprécier le profil de la piste de Reims, pardon. Il y a de l'opposition, il y aura notamment Filio de Loup, encore État Civil que j'aime bien au deuxième poteau. Mais je trouve que cette Last Winner, c'est vraiment son jour. L'engagement est vraiment très très favorable et je trouve qu'elle a vraiment une belle carte à jouer au premier échelon. Surtout qu'il y a peu de partants. Le seul problème, c'est que faudra voir le parcours. J'espère qu'elle ne va pas se retrouver enfermée ou qu'il ne va pas y avoir de soucis. Mais en tout cas, c'est vraiment une concurrente qui me plaît vraiment beaucoup. Donc je vais vous conseiller de la jouer donc en jeu simple gagnant placé ce lundi 6 juin. Donc. Le 805 en réunion 3, Last Winner a joué un euro gagnant 2 euros placé sur The Turf. Voilà, vous savez tout pour cette édition de Un jour, un pari. Nous se retrouvera mardi 7 juin, sans doute du côté de Vincennes, à mon avis. Il y aura des courses très intéressantes. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et à demain pour une nouvelle édition de Un jour, un pari. Bye bye.